Bienvenue à Les Arts. Cette semaine, on a rencontré pour vous l'artiste François Bergeron qui nous parle de son spectacle chef-d'œuvre. J'ai créé une toile beaucoup plus grande, 28 pieds de long. Puis bon, là, j'avais l'idée du spectacle, le titre, le chef-d'œuvre. Claude nous fait rencontrer l'auteur, compositeur, interprète Bruno Green. En art visuel, on a rencontré l'artiste Claude Fortin qui nous parle de la création de l'art avec le graphite. Et finalement, on parle body painting avec l'artiste Anne-Marie Noble. Cette semaine, on avait envie de vous faire découvrir l'art de la crèche. C'est pourquoi on a rencontré pour vous François Bergeron, qui nous parle de son spectacle, le chef-d'œuvre. Le spectacle a commencé, ça fait quand même longtemps que ça mijote dans ma tête, là. Mais ça fait 2 ans que je travaille sur ce projet-là. Alors, je mûrissais l'idée de ce spectacle-là. Moi, j'étais habitué de faire des présentations dans des écoles, dans des foyers de personnes âgées, des plus petits formats. Mais là, j'avais l'idée de vraiment d'exploiter mon art à son maximum. Et là, j'ai créé une toile beaucoup plus grande, 28 pieds de long. Puis bon, là, j'avais l'idée du spectacle, le titre, le chef d'œuvre. Puis il manquait des éléments. Fait que suite à une tournée en Europe, j'ai rencontré Denis Redinger, qui était compositeur pour l'Orchestre philharmonique de Strasbourg, puis il a accepté de composer la musique pour le spectacle. Alors, on a travaillé ensemble au niveau des... moi, j'ai envoyé des portions du dessin avec l'autre qui écrivait les textes. Alors là, on a concocté ensemble là, ce spectacle-là. Alors, c'était 2 ans de travail, là. C'est sûr qu'on voit pas ça à tous les coins de rue, là. C'est pas comme des craies qu'on écrit sur des tableaux verts. J'ai toutes sortes de couleurs. Ça ressemble beaucoup au pastel, beaucoup plus mou, c'est beaucoup plus gros aussi. Et fait que c'est vraiment un art qui est très rapide, qui est pratique pour ce que je fais. Parce que moi, je raconte l'histoire tout en la dessinant. Fait que c'est un art qui a pas besoin d'attendre que ça sèche. Alors, c'est très, très rapide comme médium. L'histoire, le chef d'œuvre, c'est vraiment c'est un jeu de mots. À travers cette histoire-là, on se rend compte le chef derrière l'œuvre. Et bon, on voit sur un premier plan, moi, avec mon œuvre, comment je peux contrôler mon œuvre. Mais j'apporte justement dans cette histoire-là un personnage qui a vraiment marqué notre histoire. Et je le nomme Yeshua. Peut-être qu'il y en a qui le reconnaissent, mais c'est Jésus, justement. Et là, on le découvre dans son contexte, puis on explore un peu son monde à lui, sur le bord de la mer de Galilée. En tout cas, c'est comme une journée qu'on passe avec lui, puis on le découvre à travers cette toile-là. Le spectacle même, lui, est 1 heure. C'est 1 heure de spectacle. Fait que c'est sûr, en première partie, on a toujours un artiste invité, là. Je vais le nommer tout de suite, c'est Marjolaine Duguay. Puis pour Sherbrooke, c'est Sophie Arbour. Mais c'est ça, il y a toujours comme une première partie au spectacle qui dure 1 demi-heure, après une petite pause, puis on rentre dans le spectacle principal, qui est 1 heure. Je suis seul au Québec, mais j'en ai entraîné quand même quelques-uns où ils ont fait des formations avec moi là, d'une semaine intensive au niveau de l'art, comment dessiner, comment raconter. Mais de là à en faire une profession puis une carrière, c'est tout autre. Là. Fait que c'est sûr que je suis le seul qui fait ça temps plein au Québec. J'ai commencé en 1998. Moi, ça fait 16 ans que je fais ça temps plein. Ça fait au-dessus de 1600 représentations que je donne.
comme je dis, un peu partout, dans toutes sortes de contextes et de milieux. Mais de là à présenter une grande toile comme ça, c'est sûr que ça se développe au fil du temps. On n'arrive pas du jour au lendemain à présenter un spectacle comme ça, puis à raconter l'histoire. Ça se développe au fil des années, puis c'est ça, mais il s'agit de commencer, là. Les gens sont étonnés, ils n'ont jamais vu ça de leur vie, de pouvoir raconter puis dessiner en même temps avec les jeux de lumière, le background musical qui nous transporte vraiment. C'est sûr que c'est vraiment nouveau. Puis les réactions sont un petit peu à couper le souffle là, à la fin avec le coup d'œil là, sur le 28 pieds. C'est vraiment une belle expérience à vivre. Moi, c'est comme un... C'est ça, à la fin, c'est souvent un standing ovation, là, puis mais c'est vraiment très agréable là, de pouvoir faire vivre ça, là, cette forme d'art là, à son maximum. Et on a été invités à présenter le spectacle au Liban, à Beyrouth. Puis, bon, là, il y a un auditorium de 800 places qui a été réservé. Du 9 au 13, je vais être là à Beyrouth. Ça va vraiment être une belle expérience. Puis, bon, là-bas, ils se préparent là, à me recevoir. Puis, ils construisent tout mon tableau que j'ai besoin. Je veux juste avoir amené ma toile. Puis, fait qu'on va fixer ça sur le grand support de 28 pieds là, dans une salle de spectacle. Là-bas, ça va être toute une expérience. C'est sûr que ça devient plus gros de ce que j'avais jamais espéré, mais il y avait quand même c'était quand même là, ce rêve-là. Si ça se réalise aujourd'hui, c'est parce qu'il était là, je sais qu'il était là, ce rêve-là. Là. Ça va être intéressant de la faire voyager dans différents contextes, de voir la réaction des gens dans différents contextes. Et parce que l'histoire va rester la même, là, parce que les textes sont écrits, puis je veux dire, l'histoire est telle qu'elle, là, mais de pouvoir la présenter dans différents milieux, puis ça va vraiment être une autre expérience, puis ça va prendre une maturité aussi à ce spectacle-là. C'est le 28 avril à 20h, au cégep de Sherbrooke. Vous pouvez aller voir au www.lechefdoeuvre.com. C'est ça. on peut se procurer les billets via le site. Puis aussi, je vais faire une autre présentation le 29 avril au manoir de Stansted. Ça, c'est dans ma ville. Puis ça va vraiment être tout un privilège de pouvoir faire ça dans ma petite ville. Thank you.